l'UNACI a reçu une double mission. Premièrement, proposer des jeux de hasard dans des conditions de sécurité et de transparence que seul l'État peut garantir. Deuxièmement, réaliser des investissements à caractère social ou culturel au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Voici présenté la LUNACI. Mesdames et Messieurs, la LUNACI se porte bien. Depuis la création de la LUNACI en 1970, elle a su diversifier ses activités pour devenir une véritable institution de jeu en s'adaptant aux évolutions du marché, appuyé en cela par l'État. Le gouvernement est heureux de constater que la LUNACI, comme l'a dit son directeur général, se porte bien. En plus de changer la vie des gagnants, elle réalise des investissements à caractère social et s'affirme progressivement comme pourvoyeuse non négligeable d'emplois directs et indirects, avec un réseau commercial qui emploie aujourd'hui plus de 10 000 personnes. La LUNACI fait donc partie de ces entreprises à participation financière publique majoritaire dont le gouvernement est fier. LUNACI, on a tous une bonne raison de jouer.